Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui. Donc, on se retrouve pour une vidéo pour réussir plus ou moins à choisir les modes de jeu que vous voulez en PVP. PVP avec arme à feu ou PVP course. Donc, pas sûr que ça fonctionne à chaque fois, mais des fois ça peut fonctionner. Il faut que vous alliez dans ce menu-là, en rejoindre rapidement, et là, vous sélectionnez série à la carte. C'est le seul où il y a Social Club, parce que si vous lisez, il y a un moment, c'est noté pour choisir un mode, virgule, ajoutez-le à vos favoris via la sélection à la carte du Social Club. C'est un bordel à comprendre exactement. Donc, vous cliquez sur Social Club. Ça peut plus ou moins prendre de temps à charger. Là-dessus, il ne faut pas trop chercher. Sinon, c'est pas marrant, bien évidemment. Et là, vous sélectionnez les modes que vous voulez en favori. Par exemple, moi j'ai mis en favori ceux pour lesquels j'ai pas encore réalisé de vidéo dessus. Comme ça, moi ça me permet de faire le tri entre tous les différents modes. Et on peut voir que n'y a pas beaucoup de pouces et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent cette méthode-là. Donc ça vous permet de choisir en favori, de supprimer un favori. Vous pouvez aussi faire un filtre. Le filtre permet vraiment de choisir tout ce que vous voulez. Là-dessus, c'est quand même assez sympa. On va pas se le cacher, ça fait quand même plaisir de voir un truc comme ça. Moi, vous avez vraiment plutôt les séries possibles, tous les modes ou autres. Et après, vous pouvez. J'ai juste fait rond sa recharge parce que c'est pas un truc qui est non plus terrible. Hein. C'est une entreprise qui vaut des milliards, hein, que voulez-vous. On n'affiche que les modes souhaités. Hop, ça prend un certain temps. Comme ça permet de tout afficher. Et là, après, vous pouvez supprimer les modes que vous avez. Pour lesquels vous ne voulez pas. Et là, si on fait jouer, voulez-vous rejoindre une série, une liste de séries, toute progression ne sera non sauvegardée. Vous pouvez faire oui, admettons. Pour moi, ça va pas changer grand-chose, je peux vous le dire. Et là, vous êtes en matchmaking directement. Je crois que même que vous pouvez sélectionner le mode de jeu que vous voulez en cliquant directement sur X. Ou sinon, si ça fonctionne bien, je préfère à préciser, vous allez dans série à la carte et vous lancez. Et normalement, ça suit ce que vous avez choisi. Donc, si ça peut vous aider à trouver des modes de jeu pour lesquels vous voulez jouer ou auxquels vous n'avez presque jamais joué, moi ça vous permet d'y arriver plus facilement. Pas sûr que ça arrive parce qu'il faut aussi qu'il y ait du monde dans le mode de jeu que vous souhaitez. Et ça, c'est peut-être le plus complexe. Bref, j'espère que l'astuce a pu vous aider. En tout cas, moi je vous dis une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde. Moi, j'espère trouver une partie PVP.